Bonsoir et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. Radio Ici et Maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter sur icietmaintenant.com et le canal 9A de la RNT. Ce soir, vous retrouvez David Abbassi pour l'émission L'Humeur du Temps. David Abbassi, bonsoir. Bonsoir, Morgane. Mes chers amis, ce soir, comme d'habitude, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, mais juste au départ de notre émission, je vais vous confier quelques secrets, quelque chose d'assez intéressant et important. Vous savez ou vous ne savez pas, c'est deux choses. Et d'abord, Corona, ça vient d'où? Deuxièmement, qui gère le monde? Vous savez que depuis toujours, on disait, même sur cette antenne, nos amis, depuis des années, on disait « Ah oui, c'est l'Israël qui gère le monde. » Non, c'est les francs-maçons, c'est peut-être l'Amérique ou la Grande-Bretagne. Qui gère le monde? Mais avec le corona, vous avez pu constater que la direction du monde n'est pas à la main de tous ces gens-là que vous dites, que vous pensiez, que nous avons dit depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, voilà, on va vous dire, depuis presque 21e siècle et fin de 20e siècle, dans les années 90, le maître du monde n'est pas comme avant. C'est-à-dire, avant, c'est vrai, on disait le 19e siècle, 20e siècle, l'économie mondiale, c'était à la main de la famille Rothschild. Et même ici, par exemple, en France, vous entendez beaucoup quand on dit Macron, c'était paru dans le pouvoir politique par les Rothschild. Tout ça, ce n'est pas la totalité des informations correctes. Une chose qui est assez importante, ce que vous devez savoir, mes chers amis, vous le savez, pour le parmi vous, vous le savez, que depuis le 20e siècle, et surtout après l'histoire de septembre, le monde a changé. Avec la nouvelle technologie qui existe dans le monde, une nouvelle direction du monde aussi a été créée. Mais exactement à la veille de la révolution islamique d'Iran en 1979, ça c'est un plan mondial pour chuter le communisme d'un côté avec la ceinture verte des révolutions islamiques et après installer un autre système. Mais malheureusement, ça n'est pas marché puisque avec la guerre Iran-Irak, la résistance du peuple iranien, exportation de la révolution qui était la volonté de l'ordre mondial par Khomeini, tout ça s'était échoué et des grands chefs de l'époque des pays musulmans comme Hassan II en Maroc, Hossein en Jordanie, Hafez Assad, Saddam Hussein en Syrie et Irak, ils ont écrasé la totalité des révoltes des musulmans dans l'année 80. Mais malheureusement, le Shah d'Iran a été chuté, ce mouvement ça a duré. Alors, juste à cette époque-là, il y a un bouquin qui va sortir, un projet Open Society. Open Society, c'est George Soros qui va l'écrire, mais voilà, tout d'un coup, je vais vous dire tout de suite, le monde d'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, est à la main de George Soros. Ce n'est pas à la main de tout ce que vous pensiez. Soros, c'est qui d'abord? Il faut savoir c'est qui George Soros. George Soros, vous savez, il avait 14 ans à la veille de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Né dans une famille juive, son père, dès qu'ils savent qu'en Hongrie, également les juifs sont en danger, puisqu'ils s'étaient émigrés de la Russie vers l'Hongrie, mais dès qu'ils voient le danger là-bas, ça existe, qu'est-ce qu'il fait? Il va changer l'identité d'un de ses fils. C'est-à-dire George Soros, ce n'est pas son vrai nom. Son père, il va changer le nom de son fils et il va lui donner une petite leçon assez intéressante. Alors, déjà, le père de George Soros, il va le nommer Sander Case.
Sandor Keys au lieu de George Schwartz, parce que le nom de la famille c'était Schwartz. Il va le nommer Sandor Keys, il va le confier à une famille chrétienne de Hongrie, et en payant un peu d'argent, je ne sais pas combien, et il va demander de cette famille de le considérer comme leurs enfants, et voilà Sandor Keys. Cette famille chrétienne, il travaillait dans le ministère de l'Intérieur. Alors, au moment de la guerre, dès que les nazis entrent à Budapest, et lui, il a 14 ans, à côté de son père, il commence à délivrer des convocations de police nazie aux juifs pour qu'ils se présentent le lendemain, ou je ne sais pas quand, aux nazis pour confisquer leurs biens et pour les arrêter. Alors, parmi les lettres de convocation qu'il va délivrer, il y a celle de son père également. Celle de son père, il va le donner à son père. Et son père, en présence de Sandor Keys, il va ouvrir l'enveloppe, il va voir, oh, ces convocations. Ah, ils vont savoir une chose, c'est intéressant et important, comme quoi, voilà, les nazis, ici aussi, ils vont arrêter les juifs, ils vont faire saisir à leurs biens. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il dit George Soros lui-même, hein, il dit ça, il va, George Soros, il n'a que 14 ans, accompagne toujours son beau-père, soi-disant, qui est un membre de nazi, pour délivrer des convocations, et en même temps qu'il délivre des convocations, de temps en temps, il y a saisi des biens aussi. Là, je veux vous diffuser quelque chose, un témoignage de lui-même, de George Soros, qu'il a parlé il y a déjà plusieurs année dans une émission assez importante diffusée aux États-Unis, 60 minutes, 60 minutes. Cette émission a eu beaucoup de succès depuis des années. Alors George Soros, il va être invité dans cette émission, et c'est là qu'il va lui-même dire quelque chose, le journaliste. Il va le demander si tu étais juif, alors tu te présentais comme un chrétien. Alors ça c'était grave, surtout qu'on faisait des saisies des biens des juifs également. On va voir qu'est-ce qu'il répond lui-même. There to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. So understand the complexities and contradictions of his personality. You have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros' father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. Le journaliste est allé d'abord en Hongrie, pour faire une enquête sur la famille Soros. Il dit, voilà, j'étais juif, mais il devient chrétien, But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew. Au moment de l'Holocauste, who escaped from massacre les Juifs, by posing as a Christian. Voilà, George, il n'avait que 14 ans, mais il était au camp de nazis. Il était coursier pour délivrer les communiqués. And I would say that that's when my character was made. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. Tend to follow his lead because he's been so successful. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences
of what I do. To understand the complexities and contradictions in his personality, you have to go back to the very beginning, to Budapest, where George Soros was born 68 years ago, to parents who were wealthy, well-educated, and Jewish. When the Nazis occupied Budapest in 1944, George Soros's father was a successful lawyer. He lived on an island in the Danube and liked to commute to work in a rowboat. But knowing there were problems ahead for the Jews, he decided to split his family up. He bought them forged papers, and he bribed a government official to take 14-year-old George Soros in and swear that he was his Christian godson. But survival carried a heavy price tag. While hundreds of thousands of Hungarian Jews were being shipped off to the death camps, George Soros accompanied his phony godfather on his appointed rounds, confiscating property from the Jews. These are pictures from 1944 of what happened to George Soros's friends and neighbors. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. One is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, Christian. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child, you don't see the connection. But it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. It was actually probably the happiest year of my life, that year of German occupation. For me, it was a very positive experience. It's a strange thing, you know, because you see incredible suffering around you, and in fact, you are in considerable danger yourself. But you're 14 years old and you don't believe that it can actually touch you. You have a belief in yourself, your belief in your father. It's a very happy-making, exhilarating experience. Qui travaillait avec eux, c'était une expérience assez intéressante et très importante pour lui. Alors, George Soros, il va quitter Hongrie et il va venir à Londres, et après de Londres, il va aller aux États-Unis. Mais il y a des choses assez intéressantes à apprendre, surtout quel est son métier et qui est vraiment George Soros. Le titre qu'il donne lui-même à George Soros, c'est très intéressant de l'écouter.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Mon invité est Georges Soros. Il est probablement le spéculateur milliardaire le plus connu du monde, mais il est aussi un philanthrope avec la création de ses fondations Open Society. Il est également auteur et son dernier livre est La tragédie de l'Union européenne. Il vient d'être traduit en français et c'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup d'être avec nous, Georges Soros. Thank you so much for being with us. Vous incarnez un homme de contradiction. Vous avez fait fortune en une nuit en spéculant contre la livre sterling et pourtant, vous êtes favorable à la régulation des marchés financiers. Vous êtes un investisseur américain, vous vivez aux États-Unis depuis les années 50 et pourtant, ce qui vous préoccupe, c'est l'Europe. Vous avez aussi une étiquette de spéculateur individualiste, mais vous aidez les pauvres en Grèce ou encore les Roms en Europe. Comment vous définissez-vous, Georges Soros? Qui êtes-vous? Vous savez, on m'a proposé un doctorat honoris causa à Oxford. Ils m'étaient demandé comment je souhaitais être décrit. Eh bien, j'ai répondu... Eh bien, je voudrais être décrit en tant que spéculateur financier, philosophe et philanthrope. Donc, spéculateur est un bon mot pour vous. Oui, j'aime spéculer, au sens où il s'agit de comprendre la réalité. Vous êtes devenu millionnaire en une nuit quand vous avez spéculé contre la livre sterling. C'était en 1992. Aviez-vous anticipé que vous deviendriez riche cette nuit-là? Comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est simplement un seul épisode au long de ma carrière. Mais c'était quelque chose de... une spéculation extrêmement attrayante. Parce que le risque en lui-même, il était limité, mais le potentiel était beaucoup plus ouvert, le potentiel de gain était beaucoup plus ouvert. Ce qui signifiait que je pouvais prendre un gros risque sans vraiment risquer énormément. Saviez-vous que vous deviendriez riche cette nuit-là? L'aviez-vous anticipé? Non, non. Non, je n'avais aucune assurance que ça se produirait. Les chances étaient plutôt favorables. Bien entendu, ce n'est pas moi qui ai causé seul l'effondrement de la livre britannique. Mais la Banque d'Angleterre a dévalué la monnaie et le Royaume-Uni a dû quitter le serpent monétaire européen. Donc vous avez bien déstabilisé le pays. Oui, en fait, c'était très favorable à l'économie britannique. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle je l'ai fait. Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je ne l'ai pas fait seul. J'étais simplement dans l'anticipation de ce que le marché était en train de faire. L'histoire de 1992 est assez intéressante, importante, puisqu'à ce moment-là, il devient millionnaire, milliardaire. Il va gagner plus d'un milliard de dollars. Et après un mois, plus qu'un milliard de dollars, c'est-à-dire 2 milliards de dollars il va gagner en cassant le livre sterling. C'est casser l'économie européenne ou économie ou monnaie européenne, c'est quelque chose, ou peut-être Thaïlande, Venezuela et tout ça, c'est quelque chose qu'il aime bien et comme vous venez d'entendre, il dit que c'est un de ses métiers, spéculateur et philanthrope aussi. C'est-à-dire en même temps les deux. Alors, lui, il avait des rôles assez importants, à part de celle d'Angleterre, en Russie, Thaïlande, Malaisie, de jouer avec les bourses de ces pays-là pour les mettre en faillite. Et George Soros, il dit, le jour que mon père, il m'a confié à la main de la famille chrétienne, il m'a dit quelque chose. Il a dit, mon fils, le monde a changé. Et tu dois savoir que maintenant, ni la loi... et ni le foi n'existe pas. Foi, comme vous venez d'entendre, lui-même dit qu'il ne croit pas ni à Dieu, ni à aucune religion. Et la loi, c'est lui qui a essayé d'imposer ses lois dans le monde entier, énormément de choses sur Soros, que peut-être vous ne savez pas, mes chers amis, n'importe où qu'il y a
économie, où il y a ONG, où il y a humanisme, humanitaire. Et un des compagnies de société sous la direction de George Soros, et qui est une branche de Open Society, existe. C'est-à-dire le nombre de sociétés qui sont dans le Open Society et Soros Management Finance et beaucoup d'autres sociétés est énorme. C'est pour ça, depuis le XXe siècle, George Soros en tête avec les patrons de nouveaux sociétés mondiales comme Microsoft, actuellement appelé avec, comme Amazon, comme Facebook, Zuckerberg, et tous ces gens-là, ils font une famille, une loge, on peut dire, pas comme le franc-maçonnerie, mais un loge pour fabriquer de l'argent. C'est-à-dire, lui-même, Soros, il dit, ce n'est pas quelque chose de discret, il dit, mon business, c'est de fabriquer de l'argent, de faire de l'argent. Et c'est pour ça qu'on le fait confiance, tous ces gens-là, et ils vont confier le management de leur, c'est-à-dire de leur l'argent, à Soros. Alors Soros, il ne faut pas l'oublier, en même temps que toujours, quand vous êtes n'importe où, on parle de Soros, on dit Soros, George Soros juif, George Soros juif, lui-même, il a joué beaucoup de rôles anti-Israël. Anti-Israël. Par exemple, Haaretz, sur le journal israélien, plusieurs fois il a attaqué Soros en disant, par exemple à l'époque du printemps arabe, on disait beaucoup d'autres médias, comme quoi le printemps arabe s'était fabriqué par George Soros. Lui, il va rassembler les frères musulmans aux États-Unis sous la direction de Al-Buradei. Al-Buradei, vous savez qu'après il est devenu candidat en Égypte également, d'origine égyptienne. Et les frères musulmans, quand ils prennent le pouvoir, c'est grâce à George Soros, ce sont ses actes anti-Israël, surtout qu'actuellement, il a des problèmes avec Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, il l'a attaqué plusieurs fois, et surtout George Soros, c'est lui qui l'a financé, le général en retraite, qui il est devenu chef de Knesset depuis 2 jours. George Soros avait soutenu l'adversaire de Benjamin Netanyahu, mais malheureusement ou heureusement, il n'a pas réussi. Pourtant, 3 fois les élections ont été faites. À la fin encore, c'est Benjamin Netanyahu qui a gagné. C'est pour ça que vous voyez, le nouveau pouvoir mondial n'est pas israélien. N'est pas américain. Trump, il a des problèmes avec Corona. Et soi-disant, Grande-Bretagne, Prince Charles, il a été testé positif. Et toujours cette guerre existait depuis des années entre les mouvements de George Soros et également l'Europe et d'autres pays et pouvoir. Mais toujours George Soros, il a joué comme Allah dans la religion arabe, musulmane. C'est-à-dire Allah, c'est lui qui a fabriqué le diable, c'est lui qui a fabriqué le mauvais, le mal et le bien. George Soros, il est ça exactement, une contradiction, il y en a beaucoup dans sa vie. Pour ça, en même temps qu'il est juif, en même temps qu'il est peut-être... grâce à ça aussi, il a ramassé beaucoup d'argent des Juifs pour gérer dans ses mouvements financiers, dans ses établissements financiers. En même temps, vous allez être étonné de ce que David Abbassi va vous dire, ce que lui, George Soros, c'est lui qui est derrière BDS. BDS, c'est le boycott des produits israéliens. C'est George Soros qui est derrière ça. Tout ce que David Abbassi vous dit, ce n'est pas des choses secrètes. Tout ça, ça existe. Si vous faites des recherches vastes, énormes, en plusieurs langues, vous allez trouver toutes ces sources. Et la plupart des fois, c'est lui-même qui s'exprimait, George Soros. Il s'exprime, il dit, il parle. Dernièrement, Financial Times, il a fait un article au moment que
Recep Tayyip Erdoğan il a attaqué la Syrie, il est considéré comme libérateur Recep Tayyip Erdoğan, et le contraire de la France, que un général français l'a fait en interview, il a dit c'est certains mouvements, c'est des mouvements terroristes qui sont là à Idlib, etc. Mais en même temps, il faut savoir que cette complicité économique et le troupe de George Soros a des soutiens assez énormes et riches, qu'en même temps qu'ils sont soutiens financiers, ils sont soutiens idéologiques aussi. Avant d'entrer dans l'histoire du coronavirus, permettez-moi de vous dire, par exemple, ce qu'est Bill Gates en 2015 et en 2018 a annoncé et dit concernant le virus qui va arriver et qu'il va tuer plus de 10 millions de personnes. Alors tout le monde va citer les propos de Bill Gates, mais même pas une fois, on ne pose pas la question, lui qui n'est pas un voyant, il n'est pas un voyant, il n'est pas un marabout, il dit un acte terroriste biologique qui va, un virus va être dispatché et va tuer plus de 10 millions. Déjà, nous avons parlé sur cette antenne ensemble de le bouquin « Les yeux des ténèbres » écrit en 1981 par un Américain qui, dans ce livre, il donnait exactement l'adresse de l'année 2020 et virus de corona et tout ce que vous voyez actuellement. Lui, il avait écrit il y a déjà 40 ans. Déjà, on a parlé ensemble. Déjà, j'avais mon invité comme M. Jean-Philippe Biron, directeur, ancien directeur de Chambre et Sénat. Dans d'autres émissions ici, je parlais que ça s'était déjà écrit. Alors, après des années que ce bouquin a été écrit, et 5 ans avant 2020, 2 ans avant 2020, c'est-à-dire 2015 et 2018, c'est qui? C'est Bill Gates qui va donner exactement l'adresse de ce qui se passe ici et maintenant aujourd'hui. C'est Bill Gates. What could cause an excess in a single year of 10 million deaths? Now, clearly, a big war could, and a pandemic, natural or created by bioterrorists. So that pandemic, the last gigantic one, was 100 years ago. We are healthier today, but for the speed of the spread, in some ways, the bioterror thing scares me the most. All it takes is one small terrorism group. Those groups have used things like anthrax that are non-human-to-human transmissible, and as yet, thank goodness, they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon. Are you nervous about your own life and what could happen? This thing will get a lot of countries before it gets the U.S., but even the U.S. has to think about of all the things that are out there, what could cause an excess in a single year of 10 million deaths? Now, clearly a big war could, and a pandemic, natural or created by bioterror. The natural pandemic, the last gigantic one, was 100 years ago. We are healthier today, but the speed of travel, and therefore the speed of global spread, that works against us. But in some ways, the bioterror thing scares me the most. All it takes is one small terrorism group. Those groups have used things like anthrax that are non-human-to-human transmissible, and as yet, thank goodness, they've never been able to build or get their hands on a nuclear weapon. Are you nervous about your own life and what could happen? This thing will get a lot of countries before it gets the U.S., but even the U.S. has to think about its global health security. It's a government thing to decide, okay, this is a problem, how do you move resources around, how do you allocate the scarce supplies? You know, when an epidemic hits, governments having been prepared in advance and going through simulations, that will help them make the decisions that are only in their hands.
global health security. It's a government thing to decide. Une chose qui est assez importante, Bill Gates insiste, we are not ready. The scarce supplies. Ce qui dit, nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire, on doit investir dans l'achat de médicaments et des équipements. Des équipements assez importants. Of all the things that are out there. Des équipements qu'on n'a pas actuellement. Alors, c'est très intéressant, mes chers amis, de vous dire que également le CIA, c'est-à-dire l'agence secrète américaine, également en 2009, il avait annoncé comme quoi il aurait un virus qui va tuer plusieurs millions de personnes. Et Jacques Attali, notre Jacques Attali en France, lui aussi, il a fait un bouquin, et exactement dans son livre, il parle de ça, CIA, il parle de ça, il ne faut pas l'oublier, et beaucoup d'autres personnes aussi. Ils vont parler de ce virus, qui va venir, qui va tuer plusieurs millions de personnes. C'est-à-dire cette information qui a été donnée avant d'arriver de ce virus est très importante. Est très important. Il y avait d'autres choses que je voulais vous dire, que je l'abandonne, mais on va parler sur ce virus, mes chers amis. Il ne faut pas oublier que ce Bill Gates qui vient de nous dire comme quoi c'est catastrophique, we are not ready, c'est mot we are not ready, n'importe où que vous attendez, de la bouche de n'importe qui. Bien sûr, nous ne sommes pas prêts de recevoir ce virus qui est énorme, énorme, tout le monde, plusieurs milliards de personnes prisonniers chez eux, we are not ready, mais ces technologies hospitalières et pharmaciens qui doivent travailler. Alors maintenant, vous allez voir, c'est qui est dans le coût mondial de cette fabrication de médicaments d'un côté et fabrication des installations hospitalières, mes chers amis. Ça, c'est très important. Et surtout récemment, vous savez qu'il y a eu des petits conflits entre Mark Zuckerberg, Facebook, avec George Soros, mais toujours Soros, il a ce problème-là, c'est-à-dire toutes ces sociétés qu'il a, comme je vous ai dit, comme lui-même il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de contradictions, mais l'important, c'est lui qui le dit, Allah. C'est lui. Après, il y a le diable, il y a le mal et le bien, toujours un conflit en bas, mais ça n'est pas réglé. Par exemple, vous savez, ici, notre président Macron, on dit qu'il était financé, par Rothschild. Non, et 1 million de dollars, comme c'est déjà écrit, ça c'est écrit, ce n'est pas de secret ce que je vous donne. C'est écrit dans les médias, dans les médias européens, américains. Rothschild, il va donner 1 million de dollars, moins 900. George Soros, il va le donner 2 millions de dollars parce qu'il avait fait un prêt de plusieurs millions de dollars pour son campagne électorale. Et il y a une société financière qui va donner aussi 1 milliard de dollars, 1 million de dollars, 4 millions de dollars. C'est-à-dire, George Soros, il a financé 2 millions de dollars. Mais il n'a pas pour avoir ce qu'il voulait de Macron. C'est pour ça que Macron, il a des problèmes depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et beaucoup de gens sont comme ça. Par exemple, Recep Tayyip Erdogan, au départ, en 2003, il est premier ministre de la Turquie, il rencontre George Soros, il devient président, un président fort, qui est toujours là, et comme vous pouvez constater, après la chute d'Iran dans le pouvoir mondial, parce qu'avant il comptait sur l'Iran, après la chute d'Iran dans le pouvoir mondial, et l'assassinat de Qassem Soleimani, parce qu'il avait beaucoup d'espoir en lui, puisque comme Trump il a dit, il gouvernait dans plusieurs pays, que ce soit Irak, Syrie, Liban, jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Amérique latine. Donc, plupart des... maintenant que Trump, il a misé 15 millions de dollars sur la tête de successeur de Charles. Charles, puisque ça, c'est dans le pouvoir de Qassem Soleimani. Alors, après cet assassinat, Soros, il était allé vers la Turquie qui était
déjà dedans, c'est son grand espoir là-bas. Mais il ne faut pas oublier que Soros, il s'est marié 3 fois, et la dernière fois, sa femme, c'est une femme chinoise, et il est presque résident en Chine. Alors, Zuckerberg, récemment, il a donné 15 millions de dollars à une fondation que George Soros, il est membre, également Bill Gates, c'est-à-dire ses troupes de nouveau ordre mondial, 15 millions de dollars il a donné pour faire la paix, parce qu'il avait des conflits. Mais il faut savoir une chose qu'on ne nous dit pas, sur une recherche que j'ai fait, mes chers amis, déjà nous avons diffusé sur cette antenne, mais il y a quelque part, on dit c'est faux. Ce n'est pas vrai, mais c'est vrai parce que ça existe. Cette histoire de 2 laboratoires à Wuhan, juste à côté de bazar, de marché. Et ces 2 laboratoires, ils travaillaient sur le virus corona. Il y en a un qui appartient à un gouvernement chinois. L'autre, il appartient à un groupe de George Soros, que même Bill Gates et tous ces gens-là sont membre de ce mouvement financier. Son adresse, son mouvement financier, c'est son adresse, c'est 666 Coxine Ride à Oran. Et il ne faut pas oublier que Soros est propriétaire de Gilead Bioscience. Gilead Bioscience également est lié avec une autre société s'appelait United, c'était une société d'achat de médicaments, et cette société United également, Bill Clinton, famille Clinton, ils sont dedans, et lié aux Nations Unies, mes chers amis, protection des réfugiés, c'est-à-dire le pouvoir de Soros, il est jusqu'à CIA, jusqu'aux Nations Unies, jusqu'à tous les pouvoirs mondiaux, et United est financé par Bill Gates et Melinda Gates, c'est-à-dire sa femme, et également George Soros, et fondation de Bill Clinton. Cette United également a des liens avec ce laboratoire, et ce laboratoire, c'est-à-dire ces gens-là, qui nous annonce de l'arrivée d'un virus, déjà, ils ont préparé leur laboratoire, leur établissement pour achat et vente dans le monde, et surtout en Chine. Alors, sur la Chine, que cet médicament va sortir, ce médicament va sortir, et sur ce virus ici a été sorti, comme vous le savez, quand ton laboratoire fait quelque chose, tout de suite il fabrique l'antidote aussi, le vaccin. C'est pour ça que les Chinois, s'ils ont réussi dans quelques semaines à mettre fin à ça, il ne faut pas oublier les menaces que Trump, l'adversaire de Bill Clinton, il avait fait sur l'économie chinoise qui était presque en faillite, l'économie chinoise, mais tout d'un coup avec ce virus, vous savez qu'ils ont proposé d'acheter toutes les sociétés étrangères. Et en même temps, ils sont en train de vendre, ils ont déjà commencé à vendre plusieurs millions et milliards de dollars depuis quelques semaines. Une fois qu'ils ont dit « c'est fini, on a presque arrêté le virus en Chine », ils ont commencé à vendre ce qu'il fallait le vendre, les kits, les médicaments, les installations hospitalières dans le monde entier, c'est la Chine qui est actuellement en haut, et la Chine c'est le capital de George Soros et ses amis. Il ne faut pas oublier, George Soros, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe économique mondiale, c'est exactement cette
ces gens-là qui sont devenus riches récemment grâce à l'informatique et grâce à Amazon. Imaginez-vous, mes chers amis, le monde s'y est en faillite, quelque société va bien fonctionner. Jeff Amazon. Jeff Amazon, il vous livre. Maintenant, vous commandez, et demain, il est chez vous. Mais tout le monde est fermé. Alors, votre Apple, votre téléphone et smartphone, ça marche. Même si vous êtes à la maison, vous le consommez, vous l'utilisez plus qu'avant. Voilà. Bill Gates, à part de ces sociétés de finances et des laboratoires à droite à gauche, que je n'ai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai. Je sais toutes les recherches que je fais. Alors, Apple aussi, ça marche. De l'autre côté, Zuckerberg, Mark, je vous donne seulement 4 exemples. Après, vous allez chercher les autres. Facebook, ça marche. Instagram, ça marche. Ils font de l'argent. Même si on est confiné chez nous, même si tout le monde, plusieurs milliards, environ 4 milliards de gens, s'ils sont fermés chez eux, si beaucoup de nous, la totalité des business est arrêtée, mais Amazon, il nous livre, j'étais livré ce matin, Bill Gates marche, puisque c'est vrai qu'il a arrêté l'usine Apple, mais plusieurs milliards de smartphones fonctionnent. Facebook, Instagram, c'est-à-dire ce nouveau, mes chers amis, nouveau pouvoir, nouveau technologie, et ce n'est plus comme avant, comme vous pensiez, Israël. Alors, tout le monde a été touché par coronavirus. Coronavirus, tout le monde, même notre président Macron, il a parlé de la guerre. Il a fait un discours, il y a déjà quelques jours, plusieurs fois, il a prononcé le mot « nous sommes en guerre ». Le monde entier est en guerre contre ce virus qui est arrivé. Et on part toujours comment on peut échapper, rester chez nous, patati patata, mais on n'a pas le temps de parler d'où est-ce qu'il vient et comment est-ce qu'il est venu. Et qui est Mr. Senior, le dieu George Soros, qui a réuni la totalité de fortune mondiale dans son groupe, et il ne cache pas. Il dit lui-même, vous avez entendu, il dit ni foi, ni religion, ni dieu, ni loi. Son père, il dit lui-même, il m'a dit, mon fils, ni loi, ni foi. Et en plus, quand il était dans l'émission de 60 Minutes, il a bien précisé qu'au moment des nazis en 1944, que j'étais un coursier pour nazis, pour délivrer les convocations aux juifs et préparer les saisies de leurs biens, alors je savais, cette expérience pour moi était assez importante, je savais qui est ni loi, ni foi. Alors pour lui, c'est quoi? C'est l'argent et son équipement. Quand on lui pose la question, si vous avez cassé l'économie britannique en 1992, il est déjà cassé. Moi, je fais mon métier. Je gagne de l'argent. C'est-à-dire, nouvel ordre mondial, mes chers amis. Ce n'est pas le nouvel ordre mondial de George Bush. Ce n'est pas le sionisme que vous croyez, que vous pensiez, qui va prendre de ni la forêt de tout ça. Ce n'est pas, bien sûr, franc-maçonnerie britannique et plus fort franc-maçonnerie du monde qui reste déjà là-bas, dans certains pays, mais des autres, les autres franc-maçonneries. Comme en France, il y a 16 obédiences, 16, et il y a des problèmes entre eux, et ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant, dans le 20e siècle. Et l'Amérique non plus, aujourd'hui, Donald Trump ne sait pas ce qu'il va faire.
Il dit, c'est le ciel qui nous a ramené ça, il faut faire les prières, il faut faire ça. Il ne sait pas, il est perdu. En Israël, il y a Corona. Ça, ça touchait le monde entier, puisque c'est le nouvel ordre mondial que son Dieu et leur Bible et leur religion n'est que de l'argent et n'est que de fabriquer de l'argent et rajouter jour après jour sur le fortune qu'ils ont. Et voilà, en tête George Soros. Bien sûr, Soros, il a 90 ans. Et certaines de ces sociétés sont gérées par ses enfants et les autres, mais toujours c'est lui qui est le serveur. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas si vous avez regardé les Star Wars ou non, par exemple, à l'époque, quand on faisait le James Bond, c'était la réalité, Mission Impossible, c'était la réalité, Mission Impossible. Et quand on fabriquait, vous savez que le premier écrivain, le metteur en scène des Mission Impossible était un Iranien, un ami, qui est décédé il y a déjà 4 ans à Los Angeles. Quand il faisait les missions impossibles, il disait que je voulais montrer au monde entier ce qu'on faisait les Britanniques en cachette dans les autres pays. Et James Bond était la même chose. Une partie de technologie qu'envoyait dans le James Bond, c'est commercialisé après des années. Mais exactement, le cinéma aussi a été utilisé par la fondation de George Soros. Et cette fondation de George Soros et Star Wars, la plupart des films qui étaient faits là-dedans, comme Jedi, quand vous le voyez, Dark, on disait Dark Vador, ou l'autre c'est George Soros. On disait même Jedi, c'est George Soros. Mais non, c'est le patron qui est en haut, et dans tous les films concernant Star Wars, il y a le mal et le bien, le blanc et le noir qui font des guerres, mais à la fin, ils deviennent contre leur maître, mais c'est toujours c'est le maître qui est gagnant. C'est toujours le maître qui est gagnant. Par exemple, Brexit, c'est lui qui l'a aidé le combat contre Brexit. Alors Johnson, il est ouvert un dossier comme quoi qui a financé, combien George Soros il a financé en Grande-Bretagne pour garder le Britannique dans la zone d'Europe. Mais de l'autre côté, Pierre, Jérôme Corbyn, patron de parti travailliste, lui-même il a dit Corona, c'est une fabrication. C'est une fabrication, il a dit, Corbyn, il a dit, en Grande-Bretagne. Il a dit, c'est une fabrication de Bill Gates et George Soros. Avec ce propos-là, qui a été prononcé par un grand politicien européen, par un grand patron, le frère du patron de parti travailliste, qu'en plus, ils ont des relations avec George Soros, parce qu'ils ont touché l'argent de George Soros, pour ramener leur combat, comme l'adversaire de Benjamin Netanyahu, il a touché. Également, je vais vous dire que les gens comme Steve Bannon, que de temps en temps, ils sont contre, ces gens-là aussi, la totalité, sont dans le collimateur de George Soros. OK, et mes chers amis, vous avez la parole, en composant notre numéro que vous... Bonsoir et bienvenue sur Radio... Écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08 92
23 95 20.